Ça, ce sont des photos qui ont été prises sur des sites de déchets radioactifs. Oui, mais je veux dire, les... oui, c'est ça, les sites des déchets oui, radioactifs. Tout à fait. Oui. Il me semble bien que ça me disait quelque chose. Voilà. Ce sont des projets de marquage, en fait, de ces sites. Ah bon? Bah oui, parce que jusqu'à présent, lorsqu'on stocke, lorsqu'on enfouit les déchets radioactifs, en fait, on les recouvre et puis en général, voilà, ils sont inclus dans la nature. Avant, on mettait les déchets dans des fûts, oui. On mettait dans d'autres fûts en béton, oui. Et qu'on balançait dans la mer. Et on les balançait dans la mer. Oui, ah oui. Il y a combien de sites en Belgique? Il y a un site en Belgique. Ah, il n'y a qu'un site. Ah oui, donc c'est tout au même endroit. C'était là. C'était seul. Et pourquoi? C'est quelqu'un que vous a demandé d'aller photographier pas les sites? Pas du tout. C'est moi qui avais envie d'aller, de comprendre tout ce problème des déchets radioactifs. Et pour comprendre, ben, il fallait obtenir les autorisations, aller sur les sites. Et parce que je pense que c'est vraiment préoccupant. Moi, je voulais ouvrir ce problème des déchets radioactifs. Ça rentre plus, que ça soit plus public. Que ça soit plus partagé. J'ai un but bien précis en faisant ça. C'est pas simplement de récolter des images sur les sites, ça fait comprendre les choses. D'accord. Mais c'est d'interpeller les sociétés qui gèrent les sites, les agences, pour leur dire peut-être d'aller plus loin encore. Oui, d'accord, c'est bien tout ça, mais c'est dans quel intérêt de marquer tous les sites comme ça? Pour les générations qui viennent, d'une part, c'est un respect par rapport à eux, parce que on a quand même vécu une période de confort assez extraordinaire. Oui. Bon. D'un autre côté, il y a les déchets. Et les déchets, ils vont rester pendant des centaines... De millions d'années, j'ai entendu, moi. Oui, oui. Il y a deux sortes. Hein. Il y a deux types de déchets. Hein. Il y a les faiblement et les hautement radioactifs. Et donc, c'est vrai que vous avez raison. Hein. Dans les hautement radioactifs, ce sera des millions d'années. Donc, bah, vous me direz, on ne sera plus là, mais je trouve que c'est égoïste de notre part de penser comme ça. Le vocabulaire très simple, les quelques signes qui seront émis là, au niveau... Mais oui, parce que la langue va changer, forcément. Oui, non, mais les signes, les donc, termes, la les langue, traces, les termes, oui. C'est pour ça qu'il faut que ce comme soit hein. une image de dire, attention, ici, il y a un site de déchets nucléaires qui date de 10 000 ans, faites attention, on ne va pas écrire ça. Non, hein, non justement. Vous les vendez, vos tableaux? Ah oui, ils sont à vendre, oui, tout à fait. Ah. Et il y en a des gens qui vous en achètent, oui. Ben non, hélas, c'est pas vraiment le type de travail qui se met dans un salon, quoi. Vous savez, moi, si j'avais un salon avec un mur dans mon salon, j'aurais pris ce tableau là-bas. Mais j'ai pas de salon et j'ai pas de mur parce que je suis SDF. Mais ce tableau, j'aurais bien aimé l'avoir. Moi, je vais vous ramener des clients, vous allez voir, vous allez être surprise. Bonjour, vous voulez pas voir une exposition sur le site de déchets nucléaires? Ça vous intéresse pas? C'est très, bon, très important à connaître. C'est ici, là, c'est ça.
Thank you.